Yeah. Okay. Bye, have a safe travel, bye, thank you. Allez, c'est reparti. Objectif de la journée, ça va être de faire un tour dans les montagnes albanaises pour finir l'après-midi par faire un bivouac sauvage dans le parc naturel de Djavaka Karavaska, quelque chose comme ça. Je vais rejoindre le TET, le Trans-Euro Trail, pour trouver des bonnes pistes sympas à rouler. Et une fois qu'on aura fait ça, et ben on se dirigera tranquillement vers ce lieu de bivouac qui est un parc national et dans lequel il est très facile de camper apparemment. Donc ça va être une journée sympathique, peut-être un peu longue, je sais pas, j'espère que ce sera pas trop long. J'ai du mal à estimer les itinéraires qui sont off-road, tout simplement parce que c'est presque impossible en fait, ça dépend vraiment du terrain. Je sais pas comment ça se passera, croisons les doigts et voyons ce que l'avenir nous réservera. C'est parti, let's go dans les montagnes albanaises. On est clairement ici au pays des vieilles Mercedes. Les Mercedes, vous savez, du film Taxi, eh bien ici, c'est Légion. Il y en a absolument partout. Regardez, il y en a partout, Mercedes. Et des chiens aussi, malheureusement. Des chiens errants. Et nous revoilà sur le Trans-Euro Trail. Oh, hop. Prêt pour faire de la piste. Let's go. On va être vraiment dans l'arrière-pays albanais. Ça va être assez sympa, je pense, de voir comment c'est là-bas. Pour l'instant, la piste est assez facile. La montagne qui est juste en face là, c'est la Macédoine du Nord. Nous sommes à l'extrême limite de l'Albanie et de la Macédoine du Nord, en plein milieu des fermes. J'avance bien. Après, il faut savoir que ces routes là, hein, c'est des routes qui sont utilisées, c'est des vraies routes, c'est à dire que c'est sur la carte indiqué comme de la route. Il y a des panneaux de signalisation, attention, virage serré, priorité, les panneaux aussi de direction, tout est indiqué comme si c'était une route. Et donc, il y a des gens qui l'utilisent. Regardez, hop, vous voyez. Là, si on veut aller par là, bah, je sais pas quelle ville c'est, mais c'est pas ma direction, mais voilà, c'est des vraies routes. D'ailleurs, j'en ai la confirmation quelques kilomètres plus loin, où je rencontre des écoliers en récréation. Et visiblement, ils sont très intrigués par ma venue. Yeah. Ok. Cheers. Goodbye. Notez que la voie se rétrécit, c'est vrai que là ça prend toute son importance. Je suis mort, excellent. Waouh! Wouhou! Yes! La piste est vraiment cool là, c'est facile, ça roule bien, ça rebondit et tout, donc c'est sympa à rouler. Il n'y a pas vraiment beaucoup de pièges à part les trous. Mais le paysage est vraiment cool. Yes.
c'est trop trop bien. On va aller voir ce petit barrage là. Ah, cette réserve d'eau, je sais pas si c'est un barrage ou pas. Je crois que c'est un barrage. Bon allez, on va pas se baigner aujourd'hui. Enfin, pas se baigner aujourd'hui, pas ici. Je sais pas si on se baignera un peu plus tard. Hop. Allons rejoindre la civilisation. C'est parti. Hop, je pense qu'on va zigzaguer tout le long là-bas. Là c'est de la caillasse. C'est super dur de se diriger dans... quand il y a plein de cailloux comme ça. On contrôle vraiment plus du tout l'avant. Et du coup bah on va un peu tout droit quoi. Allez, let's go, trouver un truc à manger, c'est parti. On va essayer de trouver ça. Un petit plat albanais, je sais pas du tout ce qu'ils vendent et ce qu'ils font comme spécialité. Mais on va bien trouver un restaurant qui nous sert à manger. Let's go. S'arrêter là, on va voir ce qu'ils ont à nous proposer. C'est un restaurant ça ou quoi? Ouais. Bon, alors j'ai bien réussi à commander quelque chose, mais je sais pas du tout ce que c'est. Ils m'ont servi ce qu'ils voulaient. De la salade, un bouillon avec de la viande, je sais pas trop quelle viande c'est, et du pain. Bon appétit. Hop, ça c'est fait. Eh bien écoutez, c'était pas mauvais. Et ça m'a coûté 3 euros. Donc c'était parfait. Maintenant, on va repartir vers le parc national de... je sais plus le nom d'ailleurs. Mais j'ai encore à peu près 2 heures de route je pense. Mais ça va être de la route nationale tranquillement, centaines de kilomètres. Donc c'est parti, allons au parc national de je ne sais plus le nom en Albanie, qui sera donc sur la côte. Nous allons revenir sur la côte. C'est parti, let's go. Tornade de sable jaune là. Je crois que c'est l'usine hein, qui fait ça. Il respecte rien, c'est fou. Je suis mort. Ouais, je suis fini par un groupe d'Italiens là. Ils sont énervés. Hein. J'aime bien aussi la moitié fini. Il y a plein de maisons où ils ont un étage et il manque un étage. Donc il y a 2 étages. Et puis il manque bah, le 3e par exemple. Aïe aïe aïe. Il me semble que je vais bientôt arriver au parc national. J'ai tout pour passer la nuit dans ce parc. Au bord de la mer, je sais pas si on va pouvoir se baigner. Et donc là on va rentrer dans son cœur. Voilà, c'est un peu des. Voilà, c'est ça, c'est des pins avec de l'eau finalement un peu partout. Alors ouais, on pourrait qualifier ça de marais, je pense. De lagunes. Des lagunes avec des pins quoi. Nous approchons de quelque chose qui ressemble à un truc intéressant. C'est dingue ici, t'as le droit de rouler partout, c'est n'importe quoi.
Oui, dans un parc naturel, je rappelle. Hein, s'il y a un doute, c'est du n'importe quoi. Allez, après s'être amusé sur la plage, allons trouver un lieu où passer la nuit. C'est un dédale, je sais pas si je vais réussir à trouver le chemin qui me mène là-bas. Je suis pas sûr de mon coup là. Est-ce qu'il n'y a pas une trace qui part à gauche là? Si, il y a une trace qui part à gauche, là, c'est très bien ça. Allez, on va tirer par là, voir un petit peu ce qu'il y a sur nos réserves. Là ça devient marrant là. Alors un petit point où il y a une tente, là ça peut le faire. Là ça peut le faire aussi. Ah ouais, là ça peut le faire. Carrément le faire même. Laissez-moi aller regarder tout ça. Est-ce que là on pourrait pas mettre une tente un peu plus à l'abri? Franchement là ça passe hein. Ouais ça passe. Là ça serait bien là. Je mets la moto là, la tente là. Oh, ça peut être magnifique. Ça peut être bon ça. Voilà. Quand j'étais en train de nettoyer le sol, j'ai vu qu'il y avait plein de petits terriers. Enfin pas des terriers mais des trucs pour les fourmis. Et il y a des fourmis de la taille de mon pouce, je vous jure. Mais des dizaines et des dizaines. Ça en plus des moustiques. C'est pas grave, je vais aller essayer de voir de l'autre côté de la berge s'il n'y a pas un deuxième spot. Donc on va essayer d'aller voir par là. Hop. Ah. Là aussi c'est pas trop mal. Alors on va continuer hein. Voilà, on va pas avoir de... Ah bah voilà où ça s'arrête. Franchement c'est pas mal ici. Allez vas-y, je vais me mettre là je pense. Et voilà, le camp est bien installé au bord de la mer finalement, dans le parc national de Derjava, je sais plus exactement. Toujours est-il que j'ai choisi ce spot là plutôt que l'autre, on verra bien si j'ai fait le bon choix demain matin. Mais je pense qu'ici il y a déjà moins de moustiques c'est sûr, et il y a moins de fourmis. Donc bon, à part quelques petits déchets, mais bon ça il y en aura partout. Et ben je pense que c'est le bon spot, je sais pas si je vais me mettre à l'eau. Vu que c'est de l'eau salée, j'avoue que j'ai un peu... On verra si je me laisse tenter. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, laissez-le moi savoir. Et puis, on se dit à la prochaine, comme d'habitude. Ciao.